Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans les coulisses de l'élection Misura où je vais vous filmer un petit vlog, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et je vais tout de suite vous emmener voir les répétitions des Miss pour le spectacle de printemps qui a été chorégraphié par Constance Moreau. C'est parti. Voici la salle, la répétition est en cours. Donc on a une super chanteuse, c'est Tess, elle a une voix magnifique. Constance en grand écart qui observe. Ici les filles se font préparer, coiffer, maquiller. Là on a Chloé qui organise l'élection cette année. Et les candidates. C'est trop bien, les filles, elles ont carrément un t-shirt avec la date de l'élection, le petit logo Misura. Alors ici, on a notre emploi du temps, et là, c'est le filage des défilés. Donc en dernier défilé, il y a le mien, avec les créations de ma dernière collection. Donc clairement, là, ce que je fais depuis au moins une heure, c'est repasser la collection pour le défilé. Et voilà, ça donne chaud, mais... Et Dieu bénisse le steamer à vapeur, franchement c'est trop bien. Toutes celles et ceux qui hésitent à en acheter un, franchement c'est le feu. Ça dépanne mais trop. Ouais, là on a le générique, blablabla. Quand vous voulez. Filage des candidates. Attendre. Merci d'accueillir la déléguée régionale Miss France, Anne-Laure Vouillot. Wouh! Là, il y a des paillettes. Wouh! Elle va nous faire la meneuse de revue au paradis latin. Donc ça, ce sera pour le passage des maillots de bain. Ça va être trop beau. Je comprendrai jamais pourquoi. J'adore le goût. Moi, je trouve ça immonde. J'aime pas du tout le goût de l'épart. Bon, bah, tant mieux si tu apprécies. Tu es la seule personne que je connaisse qui apprécie. C'est un top 4 des ventes. Ah bon? Ouais. C'est parce que juste qu'il y a beaucoup de personnes constipées. Non. Ou en manque de magnésium. Charlotte, elle va remettre son titre de Miss Jura aujourd'hui. Ça va pas trop triste, c'est passé vite, hein? Ah oui, trop vite. Ça sera pour une nouvelle, ça me fait plaisir. Oui, puis Miss un jour, Miss toujours. Voilà. Coucou Lucie. Elle peut pas bouger. Petit ravalement de façade pour Anaïs, voilà. Qui me prête gentiment son téléphone. Voilà. Merci. Alors là, ravalement de façade effectué. On est toute pimpante. L'heure se rapproche et on a encore un petit peu de temps pour se préparer. Les filles ont essayé les tenues. J'ai aussi essayé des tenues. On va défiler pour une boutique pour Chic et Charme à Champagnole, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Coucou! Du coup, nous sommes à l'accueil, donc il y a les filles qui attendent à l'accueil avec le petit programme, les petits bulletins de vote et qui vont les distribuer. Et dehors... Oula, cassé. Ah bah super, pardon. Ah bah super. Je suis désolée, c'est ma robe, j'ai pas l'habitude. Je m'excuse, je vais ramasser, attendez, je finis mon truc. Du coup, dehors, il y a déjà du monde qui attend pour l'ouverture des portes. Là, les filles, c'est le côté d'entrée des partenaires et des VIP. Donc elles vérifient les noms et puis ensuite elles accrochent à un bracelet doré. Et puis les personnes se dirigent vers l'ascenseur pour aller à la soirée. Là, on est au cocktail. Chloé sert de l'Elixia. C'est la meilleure limonade de Franche-Comté, pour de vrai.
la seule que je peux boire en tout cas. Et puis il y a des petits hors d'œuvre. De l'eau Véma, je crois. Alors là, on est au photocall, du coup, c'est juste avant le petit cocktail. Et notre Miss Franche-Comté est très sollicitée pour les photos. Donc voilà, on fait les petites photos devant le photocall avec tous les partenaires. Il y en a beaucoup. Et je suis partenaire, je tiens à le préciser. On a des belles tenues. Là, ajustement de dernière minute. Ça, c'est mieux là, la taille. Ouais. Et, ah oui, il y a une voilà, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ici. Parce que ce pantalon est beaucoup trop long pour Mélissa. Oh, j'adore la pince que t'as mis dans tes cheveux. Oui, vraiment. Merci. Et je remonte, et je remonte. Et je remonte. Waouh. Alors j'ai retrouvé Laura Kyle avec qui j'ai fait les super photos que vous avez pu voir dans l'eau avec les agrumes et son équipe de photographes, caméraman aussi et vidéaste. Vidéaste. Et du coup ils vont couvrir tout l'événement Miss Jura. Et moi je vais essayer de me trouver une petite place dans la salle parce que mon défilé c'est après l'entracte donc je peux voir le spectacle. Aussi nombreux ce soir. Donc, comme l'a dit Anne-Laure, avec Baptiste, donc nous avons créé une association pour pouvoir donc organiser l'élection. Donc un grand merci à Anne-Laure et plus généralement au comité Miss Franche-Comté de nous faire confiance. Il va falloir les encourager, les amis, parce que c'est le moment où nous allons pouvoir faire connaissance, plus ample connaissance avec nos 9 candidates ce soir. Sans plus attendre, merci d'accueillir la candidate qui porte le numéro 1. Alors là, les filles ont fait leur premier passage, elles ont passé le moment le plus dur, c'était le discours. Donc personne n'a fait de bêtises, tout le monde a bien réussi, je trouve. C'est trop bien. Et après, il y a eu la présentation des Miss. Charlotte, elle nous a fait son petit discours nostalgique. Et oui, c'est déjà sa remise de titre, ça passe super vite. Et voilà, à bientôt pour la suite des événements. À bientôt. Laura en plein travail. De location de robe pour Miss Jura et ses dauphines offerte par Elisa Boriel. Vous découvrirez aussi son travail à Elisa tout à l'heure. C'est un ange Victoria's Secret.
Alors là, avec Louise, on va récupérer les bulletins de vote. Attends, déjà, ça fait la queue déjà. Ok, bon ben je vous laisse. Là, donc voilà, nous allons monter avec tous nos bulletins de vote. La gagnante est dedans. Ah, voilà, là. C'est lourde tâche qui nous incombe. On a le futur de la prochaine Miss Jura entre nos mains. Regardez Paul comme il est beau. Beau mais chaud. Beau mais chaud, oui, c'est ça. Alors là, on est changé, on est ultra looké pour une boutique de mode. J'ai des lunettes sans verre, franchement c'est trop stylé. Alors là, on s'habille en tenue chic et charme. C'est trop classe, on adore. En tout cas, moi j'adore mon petit look. Ah oui, Lucie, faut que tu te dépêches. Donc là, on n'a plus trop de temps, l'entracte est fini et puis on enchaîne sur le défilé. On a plein de changements, ça va être la course. Nouveau super look. Mais qui est belle. Les lunettes. Trop stylé les lunettes. Bientôt les résultats. Bientôt les résultats. Les filles, bientôt la proclamation des résultats. Ça va? Vous vous sentez mieux? Oui, on est soulagés. Miss Jura 2019 est la candidate numéro 9. Qui a chanté pendant longtemps pendant mon défilé interminable. Elle a vraiment géré. Merci à vous. Et puis on fait une très belle prestation. Je vous rappelle, hein, Julie. Donc là, c'est les photos, c'est la nouvelle photo. Et la petite Julie, Miss Jura 2019. Et félicitations à toutes les candidates. Voilà, Charlotte vient de remettre son titre. Eh oui, ça y est, c'est fini. Mais je suis super contente parce qu'on a une nouvelle Miss Jura et elle est magnifique. Alors, c'est super. Notre nouvelle troisième dauphine. Merci à tous. Félicitations. Félicitations les filles. La fille sorte qui vous filme. Contente? Très contente, oui. Première élection, grand succès. C'était une super élection. La salle, vu la chaleur dans la salle, je pense que... Oui, la salle est comble déjà. Laura nous fait le portrait de la nouvelle Miss. On lui met sa couronne. Voici notre nouvelle Miss Jura. C'est incroyable. C'est un robot. Tu m'aurais dit qu'il a coulé, mais bon. Merci. Donc allez la suivre sur ses réseaux sociaux. À bientôt pour de nouvelles élections. Bon bah du coup je vais remballer le défilé. Merci les filles qui ont défilé pour moi. Merci à Mélissa qui a sauvé le défilé parce que en fait on n'avait pas écouté la musique avant. Enfin bref, elle nous a fait une invention mais c'était top. Merci beaucoup. Bisous. Voilà, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et merci Anaïs pour son téléphone. C'est grâce à elle qu'on a une qualité vraiment potable parce que le mien c'est pas possible. Voilà. Gros bisous, à la prochaine.